luyện nghe tiếng Pháp với hội thoại. Au commissariat de police. Ở đồn cảnh sát. Từ vựng cần nắm để hiểu được bài nghe. cô mi de police. Commissariat de police. Bizarre bizarre poil poil épaule épaule barbe barbe ongle ongle avoir peur avoir peur carnaval carnaval costume costume Ở lần nghe thứ nhất, chúng ta sẽ nghe mà không nhìn transcription. Commissariat de police de Nice, je vous écoute. Bonjour monsieur. Bonjour madame, que se passe-t-il Eh bien voilà, je vous appelle parce qu'hier soir, j'ai vu quelque chose de bizarre devant chez moi, dans mon jardin. Expliquez-moi, qu'est-ce qui était bizarre Il y avait un être très grand à ma fenêtre. Il avait beaucoup de poils blancs, de larges épaules et de très longs bras. Ce n'était pas un être humain. Vous êtes sûre, madame? Oui, oui. Je l'ai bien vu. Son visage était bleu et il avait un gros nez, des yeux rouges et une grande bouche. Il avait aussi une barbe blanche. Quand je suis arrivée près de la fenêtre, j'ai pu voir ses mains. Il avait de longs ongles. Oh, j'ai eu très peur. Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Quand il m'a vue, il est parti vers un groupe de jeunes. Oui, vous savez madame, je ne suis pas surpris. Hier, c'était le carnaval. Beaucoup de personnes nous ont téléphoné pour dire qu'il y avait des personnes avec des costumes devant chez eux. Et puis le yeti n'existe pas, vous savez. Ở lần nghe thứ hai, chúng ta sẽ vường nghe, view sentence transcription để hiểu được nội dung của đoạn hội thoại và kiểm tra nội dung mình nghe được ở lần đầu tiên có chính xác hay không. Commissariat de police de Nice, je vous écoute. Bonjour monsieur. Bonjour madame, que se passe-t-il Eh bien voilà, je vous appelle parce qu'hier soir, j'ai vu quelque chose de bizarre devant chez moi, dans mon jardin. Expliquez-moi, qu'est-ce qui était bizarre euh, Il y avait un être très grand à ma fenêtre. Il avait beaucoup de poils blancs, de larges épaules et de très longs bras. Ce n'était pas un être humain. Vous êtes sûre, madame Oui, oui. Je l'ai bien vu. Son visage était bleu et il avait un gros nez, des yeux rouges et une grande bouche. Il avait aussi une barbe blanche. Quand je suis arrivée près de la fenêtre, j'ai pu voir ses mains. Il avait de longs ongles. Oh, j'ai eu très peur. Et qu'est-ce que vous avez fait Rien. Quand il m'a vu, il est parti vers un groupe de jeunes. Oui. Vous savez, madame, je ne suis pas surpris. Hier, c'était le carnaval. Beaucoup de personnes nous ont téléphoné pour dire qu'il y avait des personnes avec des costumes devant chez eux. Et puis, le yeti n'existe pas, vous savez. Commissariat de police de Nice, je vous écoute. Bonjour monsieur. Bonjour madame, que se passe-t-il Eh bien voilà, je vous appelle parce qu'hier soir, j'ai vu quelque chose de bizarre devant chez moi, dans mon jardin. Expliquez-moi, qu'est-ce qui était bizarre Il y avait un être très grand à ma fenêtre. Il avait beaucoup de poils blancs, de larges épaules et de très longs bras. Ce n'était pas un être humain. Vous êtes sûre, madame Oui, oui. Je l'ai bien vu. Son visage était bleu et il avait un gros nez, des yeux rouges et une grande bouche. Il avait aussi une barbe blanche. Quand je suis arrivée près de la fenêtre, j'ai pu voir ses mains. Il avait de longs ongles. Oh, j'ai eu très peur. Et qu'est-ce que vous avez fait Rien. Quand il m'a vue, il est parti vers un groupe de jeunes. Oui. Vous savez, Madame, je ne suis pas surpris. Hier, c'était le Carnaval. Beaucoup de personnes nous ont téléphoné pour dire qu'il y avait des personnes avec des costumes devant chez eux. Et puis, le Yeti n'existe pas, vous savez.